Apocalypse, au chapitre, on va dire le chapitre là. Après, tout le monde qui t'a fait l'étude là, c'est même. Qui chapitre? Chapitre 4. Dimanche dernier, nous avons considéré avec vous les versets 1 à 4 du chapitre 4 du livre de la Révélation. Et le sujet que nous avons entamé avec vous, c'est l'adoration autour du trône. Nous allons lire pour vous maintenant seulement deux versets, 4 et 5. Vous êtes priés de vous mettre debout. Nous lisons les versets 4 et verset 5. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent les sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Merci. Merci. Dimanche dernier, nous disons que le mot vieillard ici, c'est un mot grec, presbytéros, qui est traduit par ancien et par vieillard. Que ces vieillards ne sont pas des personnes très âgées, mais ce sont des anciens dans l'Église. Les vieillards représentent l'Église. Et plusieurs considérations justes justifient cette thèse. Premièrement, le terme ancien se rapporte à l'Église. Dans 1 Timothée 5, verset 17, nous trouvons que les anciens qui dirigent, c'est le même mot, presbytéros. Les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc ces 24 vieillards représentent ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, nous trouvons que ces vieillards sont des rachetés. Les anges ne sont pas des rachetés. Les anges se sont perdus et seront condamnés dans le feu éternel. Les rachetés sont des hommes. Ces 24 vieillards sont des hommes rachetés par le sang de Christ. Apocalypse chapitre 5. Non seulement dans 1 Timothée 5, verset 17, nous trouvons que ces vieillards, ces anciens, dirigent bien. Paul, s'adressant à Tite, son enfant légitime dans la foi, dit à Tite dans Tite, chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Et que, selon mes instructions, tu établis des anciens de chaque ville. De chaque ville, il y avait une église. Et ces églises doivent avoir un ancien qui dirige. Donc l'ancien en question, c'est un évêque. Lorsque nous venons au verset 7, le titre chapitre 1er, il faut que l'évêque soit irréprochable
comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, qualité de l'ancien, du vieillard, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Donc, les vieillards que nous trouvons ne sont pas des anges, ce sont des hommes rachetés par le sang de Christ, qui représentent l'Église. Car selon 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3, nous jugerons les anges. Faut ou la religion mangée. C'est quoi la religion? Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, les couronnes sont toujours mentionnées comme récompense des fidèles de l'Église. Les 24 vieillards avaient reçu des couronnes. Et pas un jour sur la couronne. Ces fidèles combattants qui recevront la couronne. Et nous avons présenté 4 genres de couronnes. Nous avons présenté la couronne incorruptible, la couronne de gloire, la couronne de vie et la couronne de justice. Troisièmement, les anciens sont assis sur des trônes et prennent part au jugement qui est rendu sur le trône central de Dieu. Nous passons au verset 5. Souvent, les Bibles la comprennent. Du trône, laissez-moi lire une fois de plus pour vous. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Autrefois, chers amis, la voix de Dieu a souvent retenti. Voix terrifiante pour Pharaon. Exode 9, verset 23 et verset 28. Pour les Israélites, Exode 19, verset 16. La voix de Dieu est des éclairs, des coups de tonnerre. Dans Exode 19, verset 16, le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une espèce de pluie sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp, verset 17, à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï, verset 18, était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix. Côté voix, mon Dieu, il y a des tonnerres, des éclairs. L'orage a bondé. Et toute manifestation de Dieu le Père dans la montagne, tout le feu dans la montagne, toute voix dans la montagne, bon Dieu part dans la montagne. Il était si gros. On dit comment ça
se faire, eh bien, nous passons au chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumant. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle de toi-même et nous écoutons. Peuple a dit, il avait dans les bons dieux. Moïse, parle avec nous, plutôt parle à mon Dieu. Parle de moi-même et nous, nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. De peur que nous ne mourions. Mon Dieu, Père, nous tendons la voix de Dieu. Nous passons au verset 22. Vous pouvez nous garder le mot. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. C'est dans le ciel là où Dieu est venu. La parole avec la terre. Depuis les cieux. Effectivement, vous manifestations, il y a du feu, il y a fumée, etc. Vous allez voir mon Dieu, mais mon Dieu dans le monde. Je vous ai parlé depuis les cieux. Dieu était sur toi. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le Seigneur est celui qui l'a fait connaître. Dieu parle aussi aux croyants du Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus s'est plongé dans les eaux du baptême, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe et Dieu se fait entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu est entronné par les cieux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans les temps à venir, elle retentira de la même façon. Lorsque Dieu manifestera sa colère contre les impies, on les conduira à prêter, on les a frappés, et il dit tonnerre, et pourtant nous prenons l'oreille à frapper, et puis bon Dieu dit nous frappons. Et mon gars courut, terre a tremblé, montagne a tremblé parce que mon Dieu frappe pied nu. Et puis, trompette l'a sonné en plein problème. Les grondements de tonnerre entendus sur terre amplifieront la voix tonnante qui sortira du trône, car tout émane du ciel. Tout commence au trône et tout jaillit de la bouche du Tout-Puissant. Dans le psaume 29, verset 4, nous lisons, ou bien nous trouvons, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel fait trembler le désir de Kadesh. Voix de l'Éternel, c'est pas correcte. Psaume 29, en fonctionne rapidement, parce que nous trouvons nos versets là qui gagnent la voix de l'Éternel. Psaume 29, verset 4, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5, la voix de l'Éternel brise les cerfs. Il fait bondir comme des veaux.
Verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. L'Éternel se produit, la parole avec le peuple en bas dans le désert là, dans la montagne du Sinaï. Il y a un pile du feu. C'est la voix de l'Éternel qui a fait du feu comme ça. Mais, pourquoi ça veut dire avec du feu l'Éternel? C'est l'Éternel qui contrôle du feu. C'est pas du feu qui contrôle l'Éternel. L'Éternel a réservé du feu. Pour Satan, a réservé du feu. Pour mon qui passait lui. Mais cependant, les hommes qui ont fait du feu, ils n'ont pas réussi. Parce que ce n'est pas l'homme qui contrôle le feu vraiment. C'est mon Dieu qui contrôle le feu. Nous allons être différents là. Parce que surtout, on est passé de final pour venir du feu. Nous venons du feu, mais avec la puissance de lui. On nous dit que c'est là où il faut qu'il y ait. Et qu'il faut besoin d'un jour. Pour fuir. Je ne vais pas critiquer pour ta bonne chère. C'est quoi pareil? Mais même ça, c'est du feu. Du feu. Je suis allé imiter au fond belle fournaise. Je prends ce qu'il y a avec les négros. Je chauffe 7 fois. Il y a ce qu'il y a avec les négros dans le feu. Bourreau qui t'a lagué ou a tombé tout. Mais monsieur va tomber vous-même. Parce que c'est l'Éternel qui contrôle les feux. Du feu, c'est la voix de l'Éternel. Si l'Éternel vient du feu, brûlez-vous, la brûlez-vous, monsieur, pas du feu, brûlez-vous, ou à marcher dans le feu. Ou à marcher sur le feu. Ou pas seul. Ou arrêter de dépasser des droits, de laguer dans mon carrière. Mon quatrième dans le feu. Quatrième, ça a souri dans le feu. Pas que du feu qu'a brûlé. Amen. Alléluia. Après du feu en Haïti, nous témoins encore, nous t'étons de parler de l'Union Pilo. Parce que nous témoins, nous chef d'État, qui te conduit par le salon de l'unité. Nous croyons que la différence est de perdre les bras. Et en pile, nous les défourons en perdre les bras. Mais c'est difficile. Mais l'Éternel a fait pour parler de différence. Il fait expédition pas privée, il fait pour pas privée, il fait langue pas privée tout. Parce qu'on campe avec le très haut. La foi de l'Éternel. Verset 9 du psaume 29. La foi de l'Éternel fait enfanter les vies. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, alléluia. Dans son palais, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sous le trône. Même de la parole, il est sous le trône. Mais l'Éternel donne la force à son cœur. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La foi de l'Éternel. Sauf quand vous venez, nous pouvons dans la foi de l'Éternel. Verset 7. Et nous sommes le peuple
dont il est le berger. Le troupeau que sa mère conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si vous y êtes capable de croire, je n'ai pas plein du feu. Que fais-tu ici, Élie? Et nous allons avancer encore pour voir que tout le monde a parlé encore. Nous avons le buisson ardent dans Exode 3, verset 2. Côté, il y a un buisson plein du feu, ça ne va pas consumer. C'est bon, Dieu qui a dit, il y a dit, il 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 Et puis, il n'y a pas qu'à consumer. Du feu, et il a tout fait de mieux. Parce que ce n'est pas qui fait qu'à contrôler tes pieds, c'est pour dire qu'à contrôler. Donc, qui est une mission ardente? Va nous passer dans chapitre 4 et la fin du verset 5. Du trône sont des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Première partie. Deuxième partie. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Et Jésus-Christ dit comme ça, et l'œil est la lampe du corps. Après l'homme, on constate qu'il est petit. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Si les sept esprits de Dieu représentent l'Esprit Saint dans son ministère de jugement, les lampes ardentes symbolisent la sainteté de Dieu, à l'instar des quatre symboles vétérotestamentaires. Nous parlons de quatre symboles pour l'homme. Les symboliques. Nous avons le buisson ardent dans Exode 3, verset 2. En ville du feu, il n'y a pas grand-chose à consumer, ne voit pas les. Il dit Moïse, retire sous le roteau campé la Seigneur Terre Sainte. Celui qui s'appelle Je suis, c'est il est là. On dit que du sang, boire, du feu, mais il n'est pas consumé. Non, Esaïe, nous trouvons les flammes éclatantes, consumant les ennemis de Sion. En Esaïe 4, verset 4 à 5. Et tu fais habitué, fais dégâts. Pousse, petit bon Dieu. Et également dans Esaïe 6, verset 6 à 7, nous trouvons la pierre ardente. C'est-à-dire nous frappons du feu, brûle sur l'autel pour purifier la bouche d'Esaïe. Dieu a utilisé du feu pour purifier les bouchons et les bouchons pas brûler. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait faire ça pas fort pour le pompier avant de mettre dans le jour. Les choses sont de souffle le jour. Le charbon du feu est venu purifier les bouchons. Esaïe. Et les bouches ne sont pas brûlées. L'âme n'est pas brûlée. Nous avons également le rayonnement du trône céleste, semblable à brûler, mais poli.
entrevu par Ézéchiel. Dans Ézéchiel 26. Ézéchiel 1er verset 26 à verset 27. Et jusqu'à verset 29. Donc Israël n'est pas contre l'éternel. C'est bon Dieu qui contrôle l'Éditeur. Et du feu, c'est la voix de Dieu. Et dans le livre des Psaumes, nous disons que Dieu fait des flammes de feu ses serviteurs. Dieu fait des flammes de feu ses serviteurs. C'est sans doute plus particulièrement à cette dernière vision que le Seigneur, vision d'Ézéchiel, que le Seigneur se réfère lorsqu'il montre à Jean les sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu devant le trône. Car la sainteté de Dieu exige l'exercice de sa justice. Les sept esprits de Dieu exécuteront les ordres reçus du trône et déverseront sur les hommes le courroux de celui qui vient de s'y asseoir. Dans le feu ardent de sa colère, il consumera les hommes coupables et rebelles, et qui se tiendra contre son ardente colère. La colère de l'Éternel, chers amis, c'est du feu. Mais Dieu fait grâce. Jusqu'à couper là, c'est grâce qu'on Dieu fait. Et pas bon, puis on va sortir. Mon Dieu, dans mon travail, il permet que je sois capable de faire travail. Ce n'est pas bon, puis mon maçon. Nous tous, c'est une fois dans le fait. Pas nous faire une fois pour ma couronne. Pour être capable de faire la bonne chose, je combat le bon combat de la foi. Et achever la course, désormais, la couronne de gloire n'est réservée. A fait vieillard, le parquet de côté, parce que nous sommes candidats aux couronnes. Exode 19, verset 5. Dieu a parlé avec le peuple. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exode 18, verset 22. Je vous ai parlé depuis les cieux. C'est dans le ciel là, mais il y a même pas la droite. Qu'on est là, capable de dire que. La science tellement avancée. Longtemps nous devons envoyer les lettres par la poste. Nous venons arriver dans un point. Nous venons gagner un fil téléphone. Nous avons pris des mots dans les pays étrangers. Et nous venons arriver dans un autre point. Fil la sortie du portable. Nous avons arrivé à arriver dans le dépôt de téléphone dans là. Et puis nous avons mis en France. La palabra, que le téléphone n'a pas besoin de nos oreilles, de poser l'homme de la haute pour attendre ou après répondre la palabra. Vous avez dit que c'est bon Dieu, c'est une femme. Non, non, vous avez dit que c'est bon Dieu, c'est une femme. Vous avez dit que c'est bon Dieu, c'est une femme. Vous avez dit qu'il y a une ancienne dans la palabra qui a attendu pour l'homme qui a été en Afrique, la palabra là. Vous avez dit que vous avez une réponse. Vous avez dit que vous avez une réponse. Les Californiens, New York, on parle avec lui, on parle avec eux, ou est-ce que vous voyez tout le monde qui connaît une action là, science, mon Dieu. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh yes. Selon ce que dit le Saint-Esprit, Hébreux 3, verset 7. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de vous, c'est une personne. Aujourd'hui,
dit, si vous entendez sa voix, Hébreux 3, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Père va aller, le Fils va aller, le Saint-Esprit va aller. Dans Ecclésiaste 12, verset 16, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ou faire bien, ou abuser pour bien. Ou faire mal, ou abuser pour mal. Ou faire bien, ou quelque chose pour une couronne. Ou faire mal, ou quelque chose pour une buffet. Mais tout a fini en jugement. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Les croyants seront jugés selon leur œuvre. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Alléluia. La Bible n'a pas seulement pour une temps de dimanche matin, mais là pour nous. Fait que tu as de ressortir là-dedans. Nous avons considéré avec vous, une fois de plus, le verset 4 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons entamé le verset 5 du trône sort des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Des voix concernant nous qui ont parlé, le Père parle, le Fils parle, le Saint-Esprit parle. Et ça fait nous chercher mon beau côté, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, pas quitter ces légumes pour le total. Que mon Dieu soit capable d'entrer dans la Bible là. Pour capable de travailler pour couronne pas. Et à Dieu seul, soit là. Allons du fond pour le On dit Amen. On dit Amen. Amen. Nous chantons, on voulait dans ce sens, en 1119 français, sur l'espérance, et nous souvent même avec qui nous souvenons de Dieu. Ah, c'est lui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je donne. Donc,
dire Dieu merci, mais pas oublier de continuer que mes services pour mes cultes à 6h. Et en attendant que vous descende. Amen, l'église. Donc, après ça, on va tourner dans l'heure normale, non? Parce qu'on est là, si tu as le même jour. Je me félicite, le fait que vous choisissez le premier culte. Alors, après midi, il y a un service Saint-Saëns. Tout le monde qui fait quelque chose pour Saint-Saëns, c'est le dernier Saint-Saëns qui gagne pour moi, ça. Ça veut dire qu'on s'est fait déjà. Mais après midi, à 2h30, pour inviter vos grands-parents. Non, service Saint-Saëns à la gloire de Dieu. Pas oublier, même si on a un cadre qui perforé. Donc, l'église là, on a un cadre tout qui perforé dans le ciel. Donc, c'est très très important, mesdames et messieurs. Pas sanctionner terre, pour être problème qui gagne. Arrangez-vous à mon Dieu pour capable de participer dans le service Saint-Saëns à 2h30. Alors, pas oublier, dimanche, on a bien deux grands. Ici à 2h, c'est la jeunesse. Tout jeune ici à là m'a pris pour 3 minutes dans l'église Simonio après service là. Tout jeune qui là m'a pris pour 3 minutes dans l'église Simonio après service là. Donc 2h, c'est réouverture service jeunesse là. Donc jeunesse à là, les pieds à terre. Donc nous réunions avec presque 700 jeunes déjà. Et maintenant là, c'est seulement pour nous capables de connaître le nombre de monde qui a participé. Là, pour vous, c'est ça avec une variété. Donc, dimanche, ça fait là important pour nous connaître. Et pour nous regarder, tisorio, poète, etc. Et nous connaître que jeunesse là, donc, l'abdomen, c'est base intellectuelle de l'église à l'abdomen. C'est très important. Donc, tout ce qui est là, on va conseiller dans l'église Simonio tout de suite après ce message. Et la jeunesse a commencé à 2h dimanche à 4h la première groupe de dame Naomi qui va commencer le réveil. Sœur Simone Soula qui fait partie de Naomi, sur la ligne, après les groupes en bas. Donc Naomi, c'est la réorganisation déjà, on dit bon Dieu merci, qui a permis que Naomi lui-même lui fait réveil par là. Moi, il y a assurance, même Jean Montier permet que l'autre groupe de faire réveil ait réussi. Eh bien, mon Dieu a permis que Naomi réussisse. Combien vous êtes d'accord que Naomi a réussi? Si vous êtes d'accord, bah, vous êtes là même pour réussir le réveil Naomi. En tout cas, donc, vendredi, chaque vendredi, nous avons réuni avec tout le membre comité. Et tout le membre comité, il faut nous réunir pour nous prier. Donc, pasteur, même. Bonne paix, hein? Bien, on joue réunion, même nous l'avons au complet, parce que Michel, parce que Soto, même, Jacques, ton évangéliste, puis nous tous, bonne paix, là. Mais pour même, d'écouter d'accord, c'est tout sacré, sous d'accord fait partie. Comitez-vous, il faut d'accord prier. Sous pas d'accord prier, ou pas qu'à faire partie, comitez-vous. Parce qu'il y a des problèmes, c'est la prière pour vous, c'est la prière pour vous, c'est la prière pour vous, puissance. Donc, tout le monde qui est dans la communauté pour bio, donc, il est important pour nous là, chaque vendredi. Et celui-ci a commencé à 5h30 précise. 5h, nous avons pas faire. 5h30, nous avons commencé pour 7h du soir. Donc, vous pouvez mettre tout le monde comité, il est là. Ça veut dire qu'il y a un comité pour pouvoir diriger là. Et bien, attendons à la gloire de Dieu. Mais là, bon, nous allons le soir, là, pour le finir. Pour nous terminer, nous connaissons Blanco, qui c'est mon église qui le forme tout ça, on ne va pas tellement parler de ça. On va prendre bien avec Chelsea qui là, et on a fait environ 4 plus 30, ça fait 110. Donc on ne va pas tellement parler de ça, on va prendre seulement tout le monde qui était par nom pour faire par Chelsea, même dans ce service matériel, mais la donne. Et faut tout ça, moi, depuis le mois de janvier, je vais arriver par le supporter, par le. En plus, nous, 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 nous,